Bonsoir, aujourd'hui je vous présente le classement officiel de la meilleure vanille 2021 que vous pouvez acheter en France et au comptoir de Toamasina. Abonnez-vous au comptoir de Toamasina, chaque jour de nouvelles vidéos sur le monde des épices, le monde de la vanille, des recettes et des expressions ranger à travers le Brésil, mais ça, ce sera après le Covid. Alors, pour cette année 2021, quelles sont les meilleures vanilles? Je vous donne mon top 3. Allez, on commence par la première et il y a des surprises. La première, elle est magnifique. C'est une vanille qui offre des notes florales, des notes d'épices, des notes gourmandes. C'est la variété Tahitian 6 de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et regardez, il n'y a pas réellement de différence à l'œil nu entre la vanille de Papouasie et la vanille Bourbon de Madagascar. Pourquoi? Car la vanille de Papouasie va subir un échaudage, comme la vanille Bourbon de Madagascar. Alors pourquoi c'est la première vanille cette année? C'est le meilleur rapport qualité-prix, elle est moins chère que la vanille de Madagascar et elle offre une qualité extraordinaire. C'est la première fois que je vois ça dans une gousse de vanille de Papouasie Nouvelle-Guinée, variété Tahitian 6. Donc c'est mon top 1 pour cette année. Allez, continuons, mon top 2, c'est la vanille Bourbon de Madagascar. Et elle est magique. Elle offre des notes de cacao, de vanille chaude naturellement. Comment reconnaître une bonne vanille de Madagascar? C'est tout simple. Vous devez savoir faire un nœud avec, comme ceci, serré très très fort et elle ne casse pas. Ça, c'est une bonne vanille. Si votre vanille de Madagascar, qualité gourmet, va sécher au bout de 2 mois, c'est qu'elle est de très mauvaise qualité. Cette vanille se conserve uniquement, soit dans nos flacons, soit dans un sachet, soit dans une boîte. On ne la met jamais dans du sucre et on ne la met jamais dans de l'alcool et dans du rhum. Vous voyez, conserver votre vanille dans du rhum, c'est de l'arnaque à la vanille. Et regardez cette vidéo où je vous explique tout. Maintenant, ma troisième vanille. Elle est ici. C'est la vanille Bourbon Gold de Madagascar. Elle est arrivée au mois de février au comptoir de Toamasina. C'est quoi la différence? Le label Gold, je l'ai créé en 2013 pour différencier nos gousses de vanille qui ont plus de 17 cm des gousses qu'on a traditionnellement pour nos emballages, 14 à 16 cm. Voilà, le label Gold, c'est juste pour que vous puissiez faire la différence entre nos vanilles gourmet traditionnelles et les 1 à 3% des meilleures gousses qu'on peut retrouver à Madagascar. Nous ne l'avons pas tout le temps, cette vanille. Attention, sur Internet, vous voyez des personnes qui l'appellent aussi vanille Bourbon Gold. Mais c'est un appel qui a eu tellement de succès qu'aujourd'hui, nos concurrents le reprennent. Mais souvenez-vous, une vanille Bourbon Gold de Madagascar, vous devez savoir faire un nœud avec, comme ceci, toujours. Et au bout de 3 mois, celle-ci ne doit pas sécher. On ne la conserve jamais dans du rhum. Alors, maintenant, je vais vous dire, la vanille qui est sortie de mon classement, c'est la vanille de Tahiti. Pourquoi? On a eu de la vanille qui a moisi de cette variété. Quand vous payez une vanille très chère, je ne vais pas vous mentir, cette vanille s'est négociée à plus de 500 euros du kilo à une époque. Et si vous n'avez pas la qualité, cela ne vaut pas la peine. Actuellement, la vanille de Tahiti est surcotée. Elle coûte beaucoup trop cher. Et le rapport qualité-prix est tout simplement mauvais. C'est pour ça qu'elle est sortie de notre classement cette année. La vanille du Brésil, il n'y en a pas assez. La vanille du Mexique, la préparation n'est pas réellement très bien faite. Et l'Ouganda, les productions sont encore trop petites, comme pour les vanilles du Brésil, pour que nous puissions faire un classement et la faire rentrer. Voilà, donc pour cette année, je vous ai sorti 3 vanilles. La première, la variété
Tahitian 6 de Papouasie-Nouvelle-Guinée, la seconde, la vanille Bourbon de Madagascar, et la troisième, la vanille Bourbon de Madagascar, notre label Gold. Voilà, à la fin, vous avez regardé cette vidéo, et bien en bas de la description, vous avez un coupon de réduction de 10% à valoir sur l'ensemble de notre site. Allez, à bientôt !